Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casa Or. Mes chers compatriotes marocains, j'ai une passion depuis que j'étais petit, c'était de lire les livres, plutôt les bandes dessinées qu'on appelle en anglais comics book. Strange. J'avais jamais compris pourquoi, c'est par la suite où j'ai compris qu'il y avait un des héros qui s'appelait Docteur Strange, je pense. Et donc, j'étais allé à Palaka Strange. Je sais pas comment on appelle ça en français. En tous les cas, c'est les bandes dessinées du fameux créateur au nom de Marvel. Vous savez, le Batman, Superman, Spider-Man, tous les héros là, comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que j'ai le même plaisir de lire tous ces bouquins-là, toutes ces bandes dessinées, que lire Algérie Presse Service. Franchement, je m'éclate. Voilà, je m'éclate. Lire Spider-Man ou lire Algérie Presse Service, c'est du kiff-kiff. Sauf qu'il manque un peu d'illustration. Heureusement que dans mes vidéos, ça compense avec ce petit caractère. D'ailleurs, il y en a un qui m'a il m'a dit ton niveau est bande dessinée, donc mentalité bande dessinée. Bon, c'était marrant comme commentaire. Bien sûr, c'est un gars de là-bas. Hein. D'accord. D'ailleurs, s'il me voit maintenant, je lui dis, j'ai beaucoup apprécié et j'en prends note. Et d'ailleurs, je te cite dans cette vidéo, bande dessinée. Bref, revenons au sujet. Alors, ce comic books, ce Strange, ce Spider-Man de Algérie Presse Service, j'aime bien comment ils écrivent leurs articles, j'aime bien comment ils jouent avec les mots. Ils sont très forts dans le vocabulaire. Alors, il y a le mot suspendre et le mot suspendu. J'adore ça. Vous savez, dernièrement, à l'Union africaine, il était question de mettre oust l'État d'Israël de l'Union africaine en tant que pays observateur. Ou donc, déjà, entre le Maroc, l'Algérie, tous les gens qui soutiennent Israël, tous ceux qui sont contre, comment ça se fait, normalement, être de pays ne devrait pas être observateur, blablabla. Et donc, ils ont essayer de débattre pour soit on maintient Israël à l'Union africaine en tant que membre observateur ou le blèche. Alors, après, je sais pas, plusieurs heures ou plusieurs jours, peu importe, alors ils sont retrouvés en train de trop parler, ils ont dit, vous savez quoi, on suspend les débats. Voilà, c'était ça le truc, on suspend les débats. Alors, l'Algérie Presse, service, qu'est-ce qu'elle dit? L'État d'Israël a été suspendu. A été suspendu de l'Union africaine. Grande victoire de la diplomatie du pays de là-bas. L'empereur Tebboune est heureux. Rantanplan est heureux. Shanglihar est heureux. Tout le monde est heureux. Heureux pour le mot suspendu. Alors, je vais reprendre des choses très doucement. L'Union africaine a suspendu les débats. Mais si l'Union africaine, je l'ai, elle a l'Union africaine en tant que membre observateur. C'est-à-dire que Israël est toujours membre observateur, ils ont juste suspendu le débat. On m'a dit le mot débat, ou quoi qu'il y ait le mot suspendre est suspendu. Et après, ils ont conclu. Yeah! Nous, les gens de là-bas, avons gagné. Le vilain, le Maroc, il s'est fait avoir, il est en colère. Yeah! Nous, on a des principes, on mène d'hommes. Pas d'Israël à l'Union africaine. Sauf que c'est le débat qui est suspendu. Alors, puisqu'on parle de comics book, il y en a un autre de comics books de là-bas. C'est Algérie patriotique. Ah, t'as moi, ils sont sublimes. Et là, ils ont cité Monsieur Zemmour, celui qui s'est présenté en tant que candidat à l'élection présidentielle, le sulfureux Éric Zemmour. Le gars qui veut faire sortir Calras en France. Alors, bien sûr, Calras. Ça implicite, grosso modo, pour pas dire modo,
Les gens de là-bas. Parce que le Maroc, on n'est pas concerné. Il n'y a que eux qui sont concernés avec les Luxembourg. Comme ils viennent de chez eux là-bas. Alors ils se sentent visés, les mecs. Alors, justement, Éric Zemmour, il a dit, vous savez, là-bas, chacun rentre chez soi. Si vous n'êtes pas content, cassez-vous. En tous les cas, moi, je vais faire du balai chez moi. Je veux plus être chez vous. C'est vrai que j'étais là-bas, maintenant je suis de l'autre côté, j'en profite. D'ailleurs, je me présente à l'élection présidentielle française. Alors, il a sorti un sujet sur l'histoire de 1200 médecins algériens qui sont en France. Alors, je ne sais pas s'ils sont illégaux ou enculés. Who care? En tout cas, Éric Zemmour brigeait la bombe. Allez, sop, sop. Et le marrant, c'est que dans ce comics book, tiens, l'Algérie patriotique, comment Éric Zemmour brigeait à 1200 médecins algériens, ou je pèque, Éric Zemmour, ou je pèque. Mais chou, mais quand ça brigeait à 1000 médecins de chez nous, qui sont chez vous, العنصرية هذه زعما راك عيقت يا إيريك زيمور قاعد العنصرية فيك ما تحن ما والو ما تخليش ولاد بلادي يخدموا كيقلبوا على طرف الخبز ياكلوا وانت باغي تجي على 1200 أطباء و إيريك زيمور بيان سور لو دي كوتي Alors lui, il est très diplomate, tu sais, il joue avec les mots. Ah, moi, j'en veux pas à l'Algérie, hein. Moi, je veux que. Non, ils gardent leurs médecins. D'ailleurs, l'Algérie a besoin de médecins. Parce que justement, leur médecine est catastrophique, leurs hôpitaux sont catastrophiques. Donc, pourquoi nous, la France, on va voler des têtes, autant que ces têtes restent là-bas, chez nous, le bled. Mais. Le comics book, dit, ah, j'ai pas trouvé. Non, 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 prends-moi. Alors attends, non, soyons sérieux là. Là, je vais plus rigoler, je vais parler sérieux. Je comprends pas à l'air. D'un coup, ma kadbrouche France, d'un coup, kadbrouche France, d'un coup, kadgoulou hna, le Maroc, vous avez cité un chiffre de, un nombre plutôt de 700 000 clandestins marocains, khdami flagri bari djouelien, ou tout ma elfo mitin. Je sais pas comment dire au pluriel de l'arabe, il y a dit l'arabe chaude et fa. Oui, le pluriel dit à 1200 médecins algériens, ou même à nous, chaque jour, il y a 700 000 clandestins marocains, d'après vous dire, vous dites qu'il y a 700 000. Bon, je vous crois, mais bon. Alors, tout le monde, il y a un jour, il y a un jour, il y a Eric Zemmour, il est comme tout le monde, là. Ça marche que dans votre sens, les chenoux. Alors, tu vois, Michel Ansori, ou Eric Zemmour Ansori. Mais attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous dites que tu vas être comme né, fougé, toi, la France, ou d'être tout la harpe. Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas? Et pourquoi vous défendez la cause de 1200 médecins qui sont. Chacun cherche son beefsteak là où il le trouve. Alors, je respecte ça. Mais ça, en tant qu'Algérie patriotique, avec le patriotisme bien que ni Freddy Bhalaka, pourquoi tu es contre Eric Zemmour? Chorlo, Bledo, Brigitte, elle est comme. Il est comme. Il est comme. Il est comme. Il est comme. Et en plus, tout le monde, quel groupe français, tout ça, elle est comme. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Il est comme 1,5 million de Chouhada. Vous avez encore avec la mémoire d'elle, français, c'est des vilains et tout. Alors n'allez pas chez les vilains! N'allez pas soigner les enfants, t'as les vilains. Soignez vos propres enfants. Il a raison, Exemo. Cassez-vous. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Pourquoi vous allez là-bas? Alors, rien que, donnez-nous une règle du jeu. Alors, c'est quand ça vous arrange, vous voyez. Alors, les 1200 médecins, ça vous arrange qu'ils travaillent en France. Comme ça, ils vous ramènent des devises. Et en plus, t'es nom, parce que me cache ma vie. Et quand ça vous arrange pas, oh non, on a toujours existé, on a toujours été là, comment ça se fait qu'ils nous traitent de tous les noms, pourquoi ils nous voient dans un air supérieur? Eh, si vous voulez pas qu'ils vous traitent de tous les noms, n'allez pas chez eux. C'est tout. C'est clair, non? Pourquoi toute cette salade? C'est pas là, en résumé, dès qu'il s'agit des cousins, les gens de là-bas perdent la tête. Le statut d'Israël,
Eric Zemmour, qui est un cousin d'Aoudelou Mbahalaka. Et le plus triste, c'est que c'est un gars de chez eux. Vous savez, les Juifs en Algérie étaient là-bas bien avant l'arrivée des Arabes. Les gens de là-bas qui pensent avoir une histoire de plus de, je sais pas combien d'années, alors qu'ils sont nés qu'en 1962. Sur ce, chers compatriotes marocains, je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Quant à vous, Comics Book de là-bas, écrivez-nous d'autres bandes dessinées et ne vous inquiétez pas, moi je vous l'illustre. À plus.